C'est un vaste projet qui a pris corps à travers le sens de l'engagement et de dévouement des fils d'une famille acquise à la cause humanitaire et sociale d'une communauté. Le complexe scolaire Padre Vittorio Agostino est une source d'inspiration qui a toute une histoire. Prêtre dans l'ancienne province de l'Équateur, spécialisé dans l'encadrement de peuples autochtones pygmées, le père Padre Vittorio Agostino a été victime des affres de violence simplement pour avoir voulu s'opposer à la tentative de viol de fille. C'est cet acte de courage et d'amour qui a inspiré Jean-Paul Coelho à baptiser cette école de la commune de Sioni, village situé à 85 km de la ville de Boma, du nom de ce prêtre martyr. Il faut dire que ce projet a débuté avec le père Coelho, natif de Lukula. Infirmier de son état, il créa déjà en 1985 un dispensaire pour soulager tant soit peu la souffrance sanitaire de cette population démunie. La fille, Jeannette Coelho, autrement Egg Malonda, va soutenir le centre avec son ONG, la Graffe Africaine, par la construction d'un hôpital moderne et mieux équipé avec différents services médicaux, dont la dentisterie, l'ophtalmologie, la radiologie, la maternité, la médecine interne et le laboratoire. Le complexe scolaire Padre Vittorio Agostino est donc une initiative d'élargissement et de soutien de ce projet social. Jean-Paul Coelho, son initiateur et promoteur, a dans le souci d'éducation et d'instruction a mis du sien pour la construction de cette école moderne. L'initiative débutée en 2011 a accouché à la création en juin 2015 de cette école forte de 800 élèves. En raison de sa proximité avec cette population, toute la famille Coelho a déjà visité cette école, signe de leur attachement à la promotion de l'éducation pour les familles désœuvrées. Le 20 décembre 2017 dernier, à la faveur de la clôture du premier trimestre, Jean-Paul Coelho est venu personnellement assister à la cérémonie. L'accueil des élèves et tout le comité de gestion a été chaleureux. À la clé et comme à l'accoutumée, plusieurs dons de ballons de football remis à cette école en remplacement des ballons archaïques utilisés par les élèves de cette école, il va les ramener en Suisse pour le partage d'expériences. D'autres dons en fourniture scolaire et matériel didactique ont été également remis. Des livres et décrets venus de l'école internationale de Genève, de l'école Jeanne d'Arc de France et de M. Urs Wellmann et Mme Monica. Ces derniers avaient visité en son temps ces complexes Padre Vittorio Agostino et gardent de beaux souvenirs. Sans oublier ces dons de fonds des élèves de Suisse aux élèves de cette école. Motif de satisfaction pour la directrice Mme Sabine. Monsieur Jean-Paul Coelho, nous ne cessons pas à vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Alors, pour nos amis de Suisse, nous leur disons aussi merci beaucoup. Le même remerciement réitéré par cet élève en l'endroit du promoteur et différents donateurs. Monsieur Coelho, au nom de toute l'école, nous vous disons merci pour cette retrouvaille que Dieu a prévue à ce jour. Nous n'avons pas grand-chose à vous dire, sauf que nous sommes très, très contents de vous voir mis en contact avec les élèves de l'école internationale de Suisse.
dans le système Sky. Nous savons que vous êtes notre facilitateur au niveau de l'Occident, afin de permettre aux autres structures de nous venir en aide. La plus grande difficulté que nous avons au sein du complexe scolaire Padre Victorio, nous avons un débordement d'élèves, c'est-à-dire dans chaque salle de classe, il y a 80 élèves, hors chose qui ne pouvait pas se faire normalement. Raison pour laquelle, M. Coelho, nous vous demandons de chercher d'autres structures de développement qui peuvent nous venir en aide afin d'augmenter le nombre de salles voulues. Complexe scolaire Padre Victorio, oye! Merci beaucoup, parce que c'est vous l'avenir du demain. C'est vous qui allez piloter les institutions du demain. Fidélité, obéissance et respect. Je répète, fidélité, obéissance et respect. Est-ce que vous le répétez avec moi? Oui. Fidélité. Fidélité. Obéissance. Obéissance. Et respect. Et respect. C'est ça qui va caractériser votre caractère pour demain. Et moi, et les profs qui sont là, on est là pour vous aider. Pour que un demain, vous ayez une vie meilleure. Comme vos collègues en Suisse. Pour qu'un jour, parmi vous qui êtes des docteurs, que parmi vous qui êtes des infirmiers, des juristes, des journalistes, ministres et conseillers, des politiciens, des économistes, c'est parmi vous. N'abandonnez jamais les études. Jamais. Jamais, jamais abandonner les études. Jamais. Moi, j'étais étudiant comme vous. Je n'ai pas abandonné les études. Et vous aussi pouvez devenir comme moi. Demain. Et personne ne sait ce qu'il y a demain. Complexe scolaire Padre Victorio, oyez! Oyez! Pour clore son action, Jean-Paul Coelho s'est adonné à cet acte d'humilité en procédant à l'embellissement des tableaux de classe. Un projet social et humanitaire ô combien salutaire pour cette communauté.